commence par le sport, évidemment le 13 juillet avec le Critérium cycliste. C'est une course qui est rituelle ici à Valognes le 13 juillet. Et puis ensuite on a les Miss, on a un spectacle avec de la musique et on finit bien évidemment par le feu d'artifice qui est le clou du spectacle. Un petit mot sur la course cycliste parce que je suis un peu déçu à la fois par la faible participation au niveau des coureurs mais aussi la faible participation du public. C'est peut-être dommage parce que je crois qu'il faut qu'il y ait des courses qui se maintiennent dans des communes comme les nôtres. Si on veut avoir aussi des grandes compétitions comme le Tour de France, eh bien ça commence ici, dans nos rues, dans nos petits villages, dans nos communes. Et j'espère qu'en tous les cas, le cyclisme retrouvera sa place et sa vraie place à Valognes parce que nous sommes une terre de cyclisme. C'est très important cette fête du 14 juillet, c'est notre fête nationale et on se doit d'y participer. Mais à Valognes, c'est plutôt le 13 que nous fêtons. Et il y a en effet une certaine communion de la population valloniaise, et en particulier au moment du feu d'artifice, que nous tirons maintenant depuis quelques années ici sur la place du Château. C'est un endroit magique qui s'y prête particulièrement bien. Et je suis vraiment très très heureux parce qu'il y a énormément de monde au feu d'artifice. C'est 2 à 3 000 personnes qui viennent voir le feu d'artifice. Je cherche après Titine, Titine, ma Titine. Je cherche après Titine, elle la trouvera. Je cherche après Titine, Titine, ma Titine. Je cherche après Titine, elle la trouvera. À bientôt sur tevie.tv.